six months of course is difficult when you can't keep talking about Première position, la personne massée est à genoux, le buste contre un mur pour garder un équilibre sans tension. Avec votre plante des pieds ou votre talon, effectuez des pressions régulières et profondes sur le pied de votre partenaire en essayant d'épouser la forme de son pied. Vous pouvez utiliser ensuite vos deux pieds en effectuant des transferts de poids d'une jambe à l'autre. Après les pieds, les mollets. Commencez par l'intérieur de ces mollets en posant votre talon au sol. Effectuez des pressions sur l'intérieur des mollets. Avec votre plante de pied par des transferts de poids de corps. Passez ensuite à l'extérieur des mollets. Votre pied doit être détendu. Durant tout le massage, la personne que vous massez doit expirer sur la pression et inspirer de façon naturelle lorsque la pression se termine. L'inspiration se fait par le nez et l'expiration par la bouche. Lorsque les mollets de votre partenaire sont suffisamment détendus, vous pouvez monter dessus et les piétiner de façon souple et régulière. Lorsque les muscles du receveur sont tendus, les pressions sont douloureuses. Pour gérer l'intensité du massage, celui-ci doit utiliser la respiration explosive. C'est une respiration rapide, inspiration par le nez, expiration par la bouche. Cette respiration vous donne aussi une indication sur la façon dont le receveur vit le massage. Deuxième position, la personne massée est assise dos contre le mur. Préparez sa cuisse par des va-et-vient de votre pied sur ses muscles en les faisant glisser sur l'os du fémur. Le mouvement est harmonique et se fait sans effort. La personne massée plie ensuite une jambe, plante de pied contre son genou. Exercez une pression verticale avec l'ensemble de votre pied sur la partie interne de sa cuisse. Votre dos doit rester droit et détendu. Passez ensuite à l'autre jambe. De façon générale, attardez-vous davantage sur les zones de tension afin de les dissiper par des pressions de vos pieds. La personne massée allonge ses jambes. Commencez par l'intérieur de ses cuisses. Comme pour les mollets, posez votre talon au sol et utilisez votre plante des pieds pour appuyer sur ses muscles et parcourir ainsi sa cuisse, du genou jusqu'à l'aine, sur environ trois allers-retours. La pression est répartie de façon uniforme sur la plante des pieds. C'est comme si vous cherchiez à assouplir votre cheville et utiliser le corps de votre partenaire pour masser votre pied. Occupez-vous ensuite de l'extérieur de ses cuisses. Accrochez la partie musculaire avec votre pied pour l'enrouler vers l'intérieur puis utilisez votre poids de corps pour exercer une pression quasiment verticale de ce muscle en direction du sol. Les pressions sont rythmées, profondes et sans effort. Calez votre respiration sur votre mouvement. Expirez sur la pression. Inspirez sur le retour. Lorsque les muscles de votre partenaire se sont détendus, montez-lui sur les cuisses, les pieds en canard et piétinez ses jambes du pied jusqu'à l'aine. Au niveau de la cuisse, le pied enroule le muscle vers l'intérieur puis exerce une pression verticale en direction du sol. Posez vos mains sur le mur pour vous équilibrer. Vos hanches sont relâchées, vos genoux légèrement fléchis, vos pieds détendus cherchent à épouser la forme de ses cuisses. Afin d'exercer des pressions bien dosées, soyez à l'écoute de la personne que vous massez. Troisième position, la personne massée est allongée sur le ventre, les bras le long du corps. Une de ses cuisses est perpendiculaire à son buste. Appuyez avec un pied sur ses fesses comme si vous vouliez lui plaquer le bassin au sol. Enroulez le muscle extérieur de sa cuisse en direction de son pied tout en exerçant des pressions verticales. À chaque piétinement, votre pied se déplace le long de sa cuisse. Lorsque les muscles du receveur sont suffisamment détendus, montez-lui dessus, un pied sur le mollet ou sur le bassin, l'autre sur la cuisse. La personne massée allonge ensuite ses deux jambes. Posez un pied sur chacune de ses jambes et piétinez-les du tendon d'Achille jusqu'aux fesses, en évitant systématiquement le creux du genou. Habituellement, les pressions sur l'arrière de la cuisse sont agréables pour le receveur. En se faisant masser régulièrement, cette sensation de plaisir éprouvée par le receveur se généralisera à tout son corps. Préparez le dos du receveur en effectuant des cercles, intérieurs ou extérieurs, sur son dos et ce, avec votre pied. Ces cercles doivent être associés à une pression vers le sol afin de détendre ses muscles du dos. Ces pressions ne s'effectuent que sur les parties musculaires de part et d'autre de la colonne vertébrale. Montez ensuite sur votre partenaire, un pied sur le bassin, l'autre sur le dos, en évitant la partie du creux lombaire. Dans cette position, exercez des transferts de poids d'une jambe à l'autre. L'une est au niveau du sacrum, l'autre parcourt le dos. Les appuis ont lieu de part et d'autre de la colonne sur les muscles du dos. Lorsque le dos est suffisamment détendu, posez vos deux pieds sur sa partie haute en vous aidant du mur pour avoir un meilleur équilibre. Pour la personne massée, la respiration est primordiale. C'est elle qui permet d'accueillir les pressions profondes sur le buste grâce au souffle et d'accéder ainsi à un niveau de détente plus profond. Posez ensuite vos pieds au niveau de ses épaules, talons sous les aisselles. Effectuez des transferts de poids d'un pied sur l'autre, puis descendez le long de ses bras. Au niveau des avant-bras, vous pouvez utiliser vos talons pour les piétiner avec vos deux pieds à la fois. Quatrième position, la personne massée est allongée sur le dos. Les jambes pliées, pieds au sol, pour renforcer la détente de l'abdomen. Avec l'avant de votre pied ou votre talon, appuyez progressivement sur les différentes parties de son ventre, en commençant par le côté gauche, afin de suivre le sens de la digestion. Posez ensuite votre pied au niveau de ses pectoraux. Par des va-et-vient circulaires associés à des pressions, assouplissez les côtes et les parties musculaires. Si le receveur est suffisamment détendu, posez votre pied sur son abdomen et l'autre pied sur son buste au-dessus du sternum et effectuez des transferts de poids d'un pied sur l'autre dans un rythme lent en étant attentif à ses réactions. Posez ensuite vos pieds de part et d'autre de ses pectoraux au niveau des épaules. Terminez en exerçant des pressions avec vos pieds sur son avant-bras. Ses paumes sont collées au sol. Cinquième position, la personne massée est assise en tailleur et se relâche totalement. Positionnez-vous à genoux derrière le receveur et exercez des pressions avec votre coude sur ses trapèzes du cou jusqu'aux épaules et en descendant le long de son dos de chaque côté de la colonne vertébrale. Utilisez votre poids de corps pour exercer ces pressions qui se font uniquement sur les parties musculaires. Terminez le massage en pétrissant profondément ces trapèzes avec vos mains.